Et salut tout le monde et bienvenue sur Brave Frontier pour la suite de la chronique des Grands Gaïa, où on va faire donc Ez, Grand Gaïa Chronique, donc Ez le quatrième héros, ou troisième qu'on fait, c'est le troisième je crois, Vargas et Lancelot, ouais le troisième, donc il manque Ez, Selena, Magrès et Altro. Bon allez, let's go Ez. Kaku, oh. Bon, je te prends par la suite. On va commencer avec Kazé. Alors, on va changer les brutes. Brutes de terre, pareil pour les sauts. Théoriquement ça devrait passer, donc voilà l'équipe que je prends. Ah, j'ai pas vu ça, compétence de chef, changer de chef, on va mettre Lancelot quand même. On va tirer, j'ai pas appuyé. Ah voilà, Lancelot, attaque 100%. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai 6 étoiles et un 7 étoiles, ça devrait bien passer je pense. Après, la petite Finkel, voilà, c'est ça, où j'ai mis un bijou malice. Elle est très bien parce que elle redonne la vie et elle supprime toutes les altérations. Et malheureusement, j'ai pas pu l'augmenter niveau 80, mais Bayleg, qui est bien aussi. Ça devrait bien se passer. Allez, lancé. Premier combat, donc c'est celui de 20 minutes. On verra ce qu'il va donner. Allez, premier combat contre Ez. Alors, voyons voir. On fait les dégâts. Ouais, ça. Ça passe. Ok. Il peut foutre l'affaiblissement. Ouais, c'est l'affaiblissement. Voilà. Donc on soigne. On enlève. Elle soigne plutôt bien, Finkel, je trouve. C'est ça que j'aime bien. Pour le moment ça passe très bien. Je fais pas spécialement de dégâts mais... Et ça va. J'ai pas le Super Viper aussi, ni l'Ultimate malheureusement. Donc... on va garder avec les Breakers, ça fait moins de dégâts mais... c'est le mieux. Alors... ah ouais c'est vrai. Par contre ça c'est bien. Nemia a le même Brave Burst que la Cyborg. Comment elle s'appelle? Lilith la Cyborg. A chaque fois qu'elle fait son Super Brave Burst elle le regagne. Donc elle peut tout le temps le faire. Ça c'est pratique. De paralysie. Mais on s'en fout. Plutôt simple pour le moment. Mais après c'est, avec cette équipe je pense que 50 d'énergie ça va être assez dur. Je fais pas trop de dégâts. Ah. Voyons voir. Ouais. Ça par contre... ça par contre c'était pas prévu. Ouais.
Ça va être un peu dur de gérer ça. Ok. La première main. Et à regagner sa vie ou quoi? Non, il regagne pas sa vie. Par contre, il fait mal. Des égards, hein. J'ai. Bon. Pas envie de crever, on va utiliser. Des petites potions. Ah, j'aurais pu balancer. Ah oui. Ah mais c'était n'importe quoi lui. Cerber qui fait les dégâts quoi. Ou Valmont. Merde. Ça a pas voulu se balancer. Oh, ça fait rien. Enfin, j'espère. Chaud. Ça devrait le faire. Eh ben non. Bon, ça passe. 3 ou 4 combats, parce que là je suis. Il me reste quand même que 3 persos. 4 combats, ok. Bon. On va s'occuper d'Elise. Parce que je pense que c'est celle qui parle à Elise. Ouais, ça se présente plutôt bien. Ah, bingo. Ça sert à rien d'utiliser le bruit, je pense. Elle peut pas paralyser Lancelot, donc ça c'est déjà très bien. Vu que la sphère de Lancelot c'est. Sa sphère, ça lui booste donc, ses PV et sa défense de 30% et il est immunisé à la maladie. Ce qui est très pratique. Alors, Nemia. Elle fait pas mal de dégâts quand même. Je me demande même si ce serait pas mieux de lui mettre en full attaque. Faudra que je voie. Ah ça y est, t'es là. Zanit. Oh, plutôt simple. C'était assez risqué, franchement, contre le feu. J'ai perdu 3 persos. J'aurais pu ne pas les perdre avec les sphères. Enfin, les sauts et les brutes, je pense. Mais bon. L'important, c'est qu'on a terminé. On va passer au deuxième. En espérant qu'il soit moins difficile, ce qui est totalement faux. Est-ce que je vais crever pour la première fois? Allez. Un petit Dilma. On va remplir. Dilma, il fait quoi? La jauge bébé se remplit beaucoup après chaque tour. Ok, let's go. Ok, d'accord, bon. Alors, terre. Terre, lumière ou feu. S'occuper de Elimi, je pense, en premier.
on va claquer tout ce qu'on a. Parce que Emmy, elle doit soigner. Donc cette fois-ci, je claque tout. Tout ce que je peux. En faisant un peu attention parce que... Faut pas déconner non plus, j'ai pas tout illimité. Ah mais elle faut le soigner. Bon ça fait rien. Bon, Illumi, il faut que je te tue. Voilà. Donc, un, c'est fait. Mais il les crève pas. Et Finkel non plus. Alors Talos ça va être chaud pour le moment. Selban, il fait pas trop de dégâts, je crois que c'est Alma qui le fait le plus. Donc on va soigner. En plus leurs Bravebirds ils sont pas tous niveau 10. Ça va être un peu dur. Y'a que Nemia qui a un super Bravebirds. Ouh Finkel, non. Putain. Là ça fait mal. Je perds mon healeuse là comme ça. Ok, c'est la débandade. J'aurais dû augmenter son super break burst au législateur. Vu que ça donnerait les éléments à tout le monde. Au feu, foudre. J'aurais dû. Tu pas encore. Là ça reste dur. Avec 3 personnes. 2. Ouais non, ça va être chaud. Plus 9. Ouais non, j'ai perdu. En tout cas, une technique full terre là. Je pense pas que ça réussisse. Dommage. Ok. Ouais bah voilà, moi qui disais que la mort va arriver, bah ouais. Elle est arrivée plus tôt que prévu. Bon. Là. Il aurait pas assez pour faire les 50 d'énergie. Pas cool ça. Dans les ombres. Allez, on va prendre Kaku. Et on va reprendre l'équipe arc-en-ciel. Manière. Bon, ils doivent plus avoir les. Comment ça s'appelle? Les sphères, mais bon, ça fait rien. Ça fait rien, ça fait rien. Direct, on va booster ces deux. Alors ça fait les dégâts. Ouais. Ouais, elle est même pas morte. Eh ben dis donc. Vous êtes pas sérieux là. Ah dommage. Ah mais ils ont regagné toute leur vie, ça c'est cool. Ok. Ça devrait passer avec cette équipe. Alors. Ouais. Ouais d'accord, ils sont morts.
pourrait la faire avec cette équipe, je pense. Enfin, tout. Malheureusement, il n'y a pas trop de challenge. Mais bon. On a pu voir, mon équipe full terre est pas... Bah, pas forte du tout. Le Behemoth. Donc là... On réduit l'armure. Enfin non, on ignore l'armure. On fait un boost attaque. Et merde. J'allais dire j'ai loupé l'encoche. Ouais non. Non non. Mifune là. Il a dit t'es mort. Ah et quand même Mifune c'est... Plus tard. Mifune c'est le personnage qui fait les dégâts quoi. Une gemme reçue, youpi. Et donc le prochain c'est 50 d'énergie, c'est ça? Ouais, 50 d'énergie. Bon, 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 bon. Bah, je pense que je vais faire une ellipse, comme d'ellipse là. Je suis obligé. Je suis obligé, obligé. Bon, bah, je vous dis donc à tout à l'heure. Allez. Et re tout le monde est de retour donc pour le 50 d'énergie. Comme vous pouvez le constater, j'ai 100 d'énergie, donc si je le foire, je pourrais le refaire. En espérant que j'y arrive du premier coup. J'ai essayé de le faire du rush, vu que j'ai testé avec l'équipe Terre, et bah, ça n'a pas fonctionné. Pas du tout. Donc je vais prendre mon équipe arc-en-ciel, et je vais essayer de... Bah, tour 1, je mets direct tous les break bursts et je vais essayer de le faire d'une traite. Alors voyons voir. On va commencer. C'était Blink qu'il fallait que je fasse en premier, mais bon, ça fait rien. Ok, bon, ça fonctionne très bien. Bon, lui, il faut... Ok, il tue personne. Ok, bon, j'ai tout donné, par contre. Deuxième... Ok. Alors, on booste l'attaque. Wow. Et crève pas. Par contre moi je subis. Ah ouais. Pas cool. Ah il fait mal. Ah ça va être chaud. En fait, faudrait que j'ai un personnage qui donne l'élément. L'élément terre. Et je crois pas que j'ai. Attends, peut-être la Sibylle. Voyons voir, voyons voir. La Sibylle, elle donne quoi comme élément? Voir l'unité. De toute manière, j'ai augmenté Kinsey B, je crois, avec son super break burst. Ah, bien sûr, si je vais tout en haut alors qu'elle est là. Madia. Allez, dis-moi que t'augmentes la terre. Ouais. Ça, c'est beaucoup cool. Ça, c'est très très cool. Alors, Vortex. Ouh. Alors, croisé. Toum, toum, toum. Je pourrais l'enlever par qui? Et je pourrais mettre qui? Oh. Ouais, mais parce que...
Lightning, bon, pourquoi pas. Au moins, je vais pas crever tout d'un coup. Et donc, rééquipe. Je pense que c'est Zega qu'on va enlever. Boost l'attaque, éliminer la défense. Ouais, on enlève Zega. Alors, elle est là. On va lui mettre une petite sphère. Où est la sphère? Ah bah voilà. Ignorante sphère. Ça devrait le faire. Gère l'équipe. En espérant pas se faire tuer. On va repartir sur ça. Tout claquer d'un coup. Ou peut-être pas, vu que c'est les monts. Voyons voir. L'élément. Non, j'ai tout claqué. Ouais, je claque tout. Allez, juste. J'en garde une, on sait jamais. Alors, on va mettre l'élément, on va booster l'attaque, on va faire ignorer. Et un gros boom. Normalement, tout le monde crève. Non, toujours pas. Lui, il veut pas crever. Hein. Bon. Ouais, là, ça se passe. Ça se passe tranquille. Flûte d'Arès. Allez, en bout. Oh merde. Dommage. J'ai pas pu booster l'attaque. Eh ben dis donc! Heureusement qu'il est là, Darmanchel! Non mais sans deck! Ils veulent pas crever? Ouais. C'est du n'importe quoi! Wouah! Est-ce que je vais réussir trop? Ça, c'est la bonne question. On va mettre. On s'en fout, on claque tout. Franchement, ils seraient tous. Je pense que. Mais c'est du n'importe quoi! C'est quoi ces dégâts? Bon, non. Bon, par contre, je vais claquer une gemme là parce que. Ah non, 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 c'est pas possible. J'ai plus envie d'attendre. Allez, récupérer de l'énergie. Bon, 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 bon. On utilise l'affection, possible récupération des PV. Extra cible? Ah ouais, c'est un set. Allez, je vais tester. Je la connais pas. Par contre, c'est du n'importe quoi là. Ah, j'espère que je vais réussir là. Après 3 tentatives. Faut pas que je me foire quoi. Alors, 1,
2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, je claque tout. Alors, élémentaire, booste l'attaque, ignore la défense à ennemi. Ça, c'est pour les cristaux. Et ça, c'est pour l'attaque. Oh, c'est déjà très bien. Bon, l'overdrive, on pourra pas le faire, mais. On va essayer de tuer elle en premier. Donc, la terre. L'empereur. Ok. Ben non. Allez, c'est reparti. Ah, mais c'est la douille. C'est quoi ces dégâts? Mais c'est pas possible les dégâts! Et là c'est pire. Oh le S qui me tue quoi. Ouais. Peut-être avec un galon. Qui booste la défense. Ouais mais contre qui? Bon c'est le dernier après j'arrête parce que là... Déjà de 1 j'en ai marre et... Je vais commencer à claquer tous les gemmes n'importe comment. Ah. Non, je pense que galon. Attends, mais je vais voir parce que. C'est l'âme divine. Wow. Quoi avec un roxage? Ah. Je crois que j'avais mis 25. Ok. Le petit bug où il n'y a qu'une sphère, j'aime bien. Le 20... C'est peut-être pour ça. On verra bien. Ah, je retente comme ça avec les trucs. Bon, allez, je retente une dernière fois. Regarde, c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Bon, par contre, allez, Kaku. Allez, on se relance. On n'est pas chaud du tout. On en a marre de crever. Allez, let's go. 1, 2, 3. 1, 2. Feu d'Arès. Bon.
Est-ce que ça serait à cause des sphères? Je pense pas, mais bon. On verra bien. Alors, soit c'est sphère, soit c'est grâce à Kaku. À vous de voir. Bon, je pense pas le tuer, mais bon. Moi, lui enlever midlife, c'est très bien. Je vais pas m'énerver. Je m'énerverai pas. Putain. Non. Casse-couille. Bon, ben, on va se terminer sur un fait, hein. Voilà. 4 morts d'affilée, ça fait mal. Ah, en plus, c'est ça. 4 morts d'affilée. Bon, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Bah, sans déconner. Faudrait que je revienne. Hein. Putain. Faudrait que je mette quoi? Non. Oh putain, qu'est-ce que... Bon, ça fait rien. Je verrai ça. Prochaine fois, faudrait que je... C'est la revanche. C'est la revanche. Bon allez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas donc à balancer votre idée si vous voulez venir. J'ai encore de la place. J'ai combien de place là? Je suis niveau 139. À 50 amis. Oh. Donc n'hésitez pas, si vous avez des solutions ou des astuces concernant Aise, pas de problème, je pense que, vu que c'est du one shot, j'aurais peut-être pu mettre des idoles et des résus, et terminer ce tour suivant, peut-être. Bon, enfin bref, allez, donc je vous dis à la prochaine.